Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos pour la semaine du 24 au 30 juin inclus. On est parti. Merci avant tout pour vos likes, vos commentaires, vos partages sur la chaîne. Merci infiniment de votre fidélité, de votre soutien. C'est grâce à vous, hein, je ne cesserai de le répéter, que cette chaîne en tout cas grandit de jour en jour. Donc gratitude infini pour votre confiance et votre fidélité. Petite piqûre de rappel, comme d'habitude, hein, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc je vous en supplie, prenez du recul, ayez du discernement également. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Mais surtout, surtout, prenez du recul. Et si éventuellement vous souhaitez avoir plus de précision ou plus de renseignements, n'hésitez pas à me consulter en privé. Voilà, parce que j'ai eu quelques commentaires sur certaines vidéos demandant des réponses. Malheureusement, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est trop complexe. Donc, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et bah, c'est parti, on est parti pour cette nouvelle série de vidéos. À tout de suite. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti. On va regarder vos énergies pour cette semaine du 24 au 30 juin inclus. J'ai utilisé Madame Indira, comme d'habitude. On y regarde également avec le jeu 32, le Petit Lenormand et le Béline. Bon, je me concentre, on est parti donc du 24 au 30 juin pour les Vierges. Alors, le 5 de coupe, 5 de coupe, oui, bien sûr, Jess, on y croit. Le 5 de pique, autant pour moi, et cette Dame de cœur. Et ce 3 de pique. Bon. Alors là, j'ai envie de vous dire, attention à cette semaine, peut-être que vous allez vous prendre la tête sur le plan professionnel avec une personne, peut-être une femme blonde, où on vous dit qu'effectivement, vous allez par la suite devoir prendre des décisions importantes et faire un choix judicieux vis-à-vis de cette femme. Peut-être par rapport justement à de la distance, ou du moins que vous allez peut-être décider de partir, de vous éloigner de cette personne. C'est comme si pour moi, là, cette semaine, vous alliez ne pas être d'accord sur un sujet. Sur un sujet qui, pour vous, est très, très important. En plus, on était dame de carreau. Peut-être en lien, effectivement, à un projet professionnel. Peut-être en lien, effectivement, à, pourquoi pas, à une association professionnelle. Vous devez collaborer et que ça va pas le faire. Ou du moins que c'est cette personne-là essaie un petit peu, peut-être, d'avoir votre poste et qu'elle fait un petit peu en sorte de vous prendre la tête ou du moins de vous sortir un petit peu de vos gonds. Il y a des nouvelles quand même. Ouais, on dit que c'est vous le consultant, la consultante. Ok. Méfiez-vous quand même parce qu'il y a des nouvelles cette semaine qui vont peut-être un petit peu vous contrarier ou du moins qui vont vous déstabiliser par rapport à cette femme blonde. Ok. Donc, soit c'est sur le plan vraiment professionnel, vous allez peut-être être convoqué ou du moins vous allez vous crêper le chignon avec une collègue. Attention tout de même. Ok. Allez, on est parti pour les Vierges. Qu'est-ce qui se passe pour les Vierges? Oula, oula, oula. Oh, il y a le voyage. Il y a le voyage. Peut-être vous préparez des vacances, là, ou du moins vous êtes en train de préparer votre départ du travail pour partir en vacances, éventuellement, et qu'il y a peut-être une collègue qui va vous taper sur le système parce que, voilà, vous avez trop laissé travail, ou c'est fort possible également. 3, 4... 5. Allez, je les mets bien. Hop, hop, hop. Dos de deck, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a le choix qui revient. Il y a le choix. Pour d'autres personnes, je dirais même peut-être que là, soit vous faites un petit déplacement cette semaine. Regardez, il y a encore cette femme blonde qui ressort. Et il y a de nouveau ce 3 de pique. Alors, est-ce que c'est une nouvelle connaissance? Est-ce que c'est peut-être une connaissance que vous allez faire cette semaine? Parce que c'est vrai qu'avec le 3 d'hibou, on peut éventuellement hein, parler que cette semaine, votre semaine va être riche, que vous allez faire beaucoup de rencontres, que vous allez échanger énormément, faire de nouvelles connaissances. Est-ce que c'est en lien peut-être à un déplacement que du coup, vous allez côtoyer ces personnes-là ou cette personne et que par la suite, vous allez un petit peu déchanter parce que vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas forcément fiable ou du moins que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que vous allez prendre la décision de vous en éloigner? Et on parle bien dans le côté professionnel.
émotionnel. Il y a ce déplacement. Hein. Est-ce que vous, cette semaine, vous êtes amené à vous déplacer professionnellement? Peut-être. Hein. Allez, on va aller voir pour vous les vierges. Regardez, il y a ce valet de pique. Ce cavalier de pique. Des nouvelles un peu contrariantes qui arrivent hein, par rapport à des déplacements. Ok. Ou du moins, vous allez devoir vous déplacer pour régler cette situation qui vous tracasse. La communication sera présente. On voit l'as de cœur également. Alors, est-ce que c'est par le biais ou du moins que c'est en lien avec l'immobilier, en lien avec la famille? Peut-être que oui, éventuellement, vous allez vous prendre la tête. Et pourquoi pas avec votre sœur, hein, je disais tout à l'heure, une collègue, mais ça peut être également dans le côté familial. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un de votre famille que vous allez vous prendre la tête cette semaine par rapport à une nouvelle qui va vous contrarier? Ah, en lien avec de l'argent, ok. Donc, on peut toujours garder dans le côté pro, hein, que vous allez peut-être vous prendre la tête par rapport à une collègue qui ne va pas être satisfaite ou du moins qui n'est pas d'accord, peut-être par rapport à de l'argent. Et pour d'autres, est-ce que familial, est-ce que dans le côté familial, vous allez éventuellement faire un déplacement pour régler quelque chose sur le plan financier et que ça va vous agacer? Il y a le plan pro qui ressort également, hein. Bon, il y a la protection. Est-ce que vous allez vous déplacer pour passer un entretien? Ouais. Est-ce que vous n'allez pas vous déplacer? Bon, on a la roue de poisson et on a le 5 d'écu. Bon, il y a la satisfaction. En tout cas, si vous vous déplacez pour éventuellement passer un entretien, pour moi, c'est acté. Vous avez la protection, c'est bon. Mais c'est ces nouvelles qui vont vous contrarier. Contrarié, peut-être sur le plan perso également. Hein. De toute façon, il y aura en tout cas satisfaction, il y aura, on va dire, la roue va changer. Ok, va changer de sens et ce sera en votre faveur. Mais c'est comme si vous allez être contrarié par quelque chose qui va un petit peu vous bouleverser sur le côté professionnel ou sur le côté familial en lien avec de l'argent. Est-ce que vous n'allez pas être d'accord, peut-être éventuellement? Et on dit qu'il y a un choix quand même à faire par rapport à ce déplacement. Et on voit cette dame de cœur. Alors que je dis, est-ce que c'est vraiment une sœur ou tout simplement une collègue que là, vous n'allez pas être d'accord et que vous allez devoir un petit peu trancher? On va aller voir. Avec le jeu 32, on va aller voir pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Hop. On va faire une coupe, on va commencer par une coupe. Regardez, on a le valet de cœur qui ressort et on a le 8 également de cœur. Une surprise qui arrive. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles hein, inattendues de votre enfant ou du moins d'une personne qui est plus jeune que vous. Peut-être un cousin, une cousine. Allez, on est parti. Hop. Et regardez, il y a encore cette dame de cœur. Pour moi, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles vis-à-vis de la famille. Allez, on est parti pour les vierges du 24 au 30 juin. Oh, il y a encore cette dame perfide. Mais elle ressort chaque fois dans tous les tirages. C'est incroyable. C'est une dame qui vraiment, vraiment, par rapport éventuellement à de l'administration ou à un petit profit, on parlait de l'argent tout à l'heure, vous allez vous crêper le chignon. Et on voit qu'il y a, vous êtes... Il y a un tracas, il y a des soucis. Là, vous êtes soucieuse par rapport à cette femme ou du moins par rapport à des papiers administratifs. Okay, on vous dit peut-être que c'est en lien avec votre enfant ou du moins en lien avec une personne qui vous est chère et vous allez être en colère parce que vous allez apprendre des nouvelles. Ça va vraiment vous contrarier. Et on a ressenti tout à l'heure le tracas, hein, le cavalier de pique qui annonçait des nouvelles un peu contrariantes. Mais on vous dit de toute façon... Il y a des projets qui vont se mettre en place tout de même. Mais ça va peut-être être retardé ou du moins qu'il va y avoir un peu un petit souci avec certitude. Il y aura un visuel, un face-à-face. Ouais, je ne serais pas étonnée que c'est par rapport à une somme d'argent, soit sur le plan perso, soit sur le plan professionnel, qu'il y a quelque chose qui va vous tracasser ou du moins que vous allez taper du poing sur la table parce que vous n'allez pas être contente. Bon, on va aller voir. Hop. Mais c'est en lien avec des papiers administratifs peut-être. Hein. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour régler un souci administratif. Hein. Peut-être que c'est de l'argent qu'on vous a réclamé. Et que cette semaine, vous allez faire ce déplacement et que vous allez tomber sur une personne un petit peu pas très ouverte d'esprit. Allez, on va aller voir. Hop, on va aller prendre 9 cartes. Hop, 4, 7. 8, 9.
Allez, on va regarder le dos de Jake. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, les tracasseries, ça vous concerne par rapport éventuellement à de l'engagement, à la signature ou à un contrat. Vous allez faire un petit déplacement, ça aura pris du retard, vous aurez des nouvelles par rapport à de l'argent et par rapport à ce projet, à ce changement. Bon, vous avez quand même l'as de trèfle hein, qui dit que vous aurez quand même satisfaction sur peut-être ces tracasseries ou du moins sur ces soucis. Mais c'est comme si peut-être hein, éventuellement par rapport à un contrat ou un engagement ou des signatures, vous allez devoir vous déplacer et peut-être que cette colère-là est due à du retard ou du moins que vous êtes un peu en colère par rapport justement à cette femme qui aura bloqué la situation. On vous dit que les nouvelles arrivent rapidement et que l'argent arrive, ok? Il y a l'argent qui pointe son nez ou du moins que vous trouverez satisfaction par rapport peut-être à la petite problématique ou du moins nouvelles qui vont vous tracasser. Vous sortez le 10 de carreau. Changement, grand déménagement. Peut-être que c'est en lien avec un déménagement. Peut-être. Hein. Regardez, vous avez le 10 de trèfle. Abondance, hein. Réussite, hein, avec certitude. Par rapport à la famille, par rapport à l'immobilier. Donc peut-être, hein, nouveau côté famille, vous allez devoir régler quelque chose. Mais on voit que vous avez, avec certitude, gain de cause, vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Et éventuellement, pour d'autres personnes, est-ce que cette semaine, vous allez devoir vous déplacer parce qu'il y a eu du retard par rapport à de l'administration en lien avec un déménagement ou en lien avec un changement? C'est possible aussi, on voit que vous êtes tracassé, d'accord? On voit qu'il y a une surprise qui arrive à vous, d'accord? Il y a cette femme de cœur. Moi, c'est comme si c'était elle qui était un petit peu la source. Bah oui, il y a des blocages. Est-ce qu'elle bloque? Est-ce qu'elle bloque quelque chose? Ok. Donc, on pourrait parler professionnellement aussi, hein, que cette personne-là ne veut pas voir votre évolution. Mais là, c'est plus perso. C'est comme si elle n'était pas d'accord par rapport à ce qui se passe en ce moment. Vous sortez le roi, donc c'est vraiment vous. Et on vous dit que le changement est imminent. Le nouveau départ. Hein. Nouveau départ est vraiment là par rapport à cette somme d'argent. On va recouvrir quand même le 9 de pique. Mais j'ai l'impression que c'est cette femme. Alors, c'est peut-être une belle-sœur. Hein, et vous sortez le roi de carreau par rapport à un projet qui est de longue distance. C'est peut-être une belle-sœur qui ne veut pas. Hein, qui ne veut pas par rapport à de l'argent, par rapport éventuellement à un projet qui vous met des bâtons dans les roues parce qu'elle ne veut pas vous voir évoluer. On a quand même la réussite en dos de deck. Hein, mais attention, il y a de la jalousie. Pourquoi pas un couple hein. Ok. De toute façon, vous aurez un visuel à face à face, vous allez régler vos comptes, pas de problème. Mais attendez-vous peut-être à vous disputer ou du moins avoir une divergence avec soit votre sœur, soit peut-être éventuellement votre belle-sœur par rapport éventuellement à de l'argent. Hein. D'accord? Allez, la carte est retombée, on va regarder rêve, fantasme, créativité, réputation, soirée. Ouais, ça risque de bouger peut-être plus en soirée ou du moins que vous allez avoir des réponses positive en soirée. Il y a la santé, le bien-être, ok? Ne bougez pas, restez dans votre lignée, on voit qu'il y a des nouvelles, ok? Et vous allez couper quelque chose. Il y a de la dispute, hein, il y a le conflit. C'est vous, le consultant, la consultante, ok? Et vous allez vous séparer de quelqu'un. Vous allez couper court par rapport à une discussion houleuse. Et on voit qu'il y a des sorties, il y a des invitations qui sont faites. Ok, et vous changez de destination pour trouver votre stabilité, pour retrouver votre envol, votre indépendance également. C'est peut-être avec votre belle-sœur, hein, ou du moins quelqu'un de votre famille, hein, et on voit vous coupez court. Il y a le bonheur, fin heureuse, surprise. Donc. Attendez-vous à ce que peut-être le début de semaine risque d'être un petit peu houleux, mais que par la suite, vous aurez en tout cas ce cadeau, ou du moins l'apaisement va être au rendez-vous, la stabilité également. Et je parlerai je vous invite fortement, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, à devoir gérer quelque chose avec votre famille ou votre belle-famille ou tout simplement dans le cadre professionnel avec une femme qui veut vraiment pas vous voir évoluer, vous aurez en tout cas, grâce à votre ténacité et à votre agilité, vous aurez gain de cause sur cette personne. Mais je pense qu'après, vous allez totalement l'occulter. Ça sera vraiment une personne qui fera plus du tout partie de vous, partie de votre sphère familiale, enfin votre sphère professionnelle, familiale, personnelle. Vous allez couper court directement avec cette personne. Ok? On voit, hein, et pour certaines personnes, on voit même cette semaine, vous allez sortir. Vous allez faire des festivités. Vous allez prendre, on va dire, un nouveau chemin. Voilà, plus lumineux, plus simple.
sans on va dire, sans complexité. Ok? Bon, on va aller voir de toute façon avec le Béline, on va aller tirer quelques cartes. Hop! Allez, pour les Vierges du 24 au 30 juin. Bah, regardez, bon bah écoutez, dans tous les jeux, c'est ressorti le procès. C'est ressorti le procès. Donc là, vous avez quand même victoire sur cette personne. Regardez, il y a la nativité qui ressort à vous. Il y a la fatalité, ok. Il y a le présent. Voilà, vous aurez gain de cause sur cette personne. Donc c'est la destinée, on voit galop. Il y a le déplacement qui est là. Vous aurez en tout cas satisfaction sur cette personne. Regardez, dès qu'on a le bonheur. Et vous prenez votre envol. Ok, vous prenez votre indépendance, ça c'est une certitude. Donc soit professionnellement, vous actez en tout cas cette rupture avec cette personne, vous en éloignez. Peut-être même pour d'autres personnes, vous demandez un changement professionnel, vous demandez un changement, une mutation. Et pour d'autres, c'est dans le cadre personnel, on voit que vous avez en tout cas réussite grâce à votre ténacité, comme je l'ai dit, à votre sagesse, et que vous allez enfin récolter ce qui vous est dû. Et on parle bien de bonheur, d'accord? Donc pas de soucis, peut-être un petit peu début de semaine ou crépage de signon où vous n'allez pas être d'accord. Il y a le nouveau chemin, nouvelle en tout cas opportunité, nouveau changement. Après peut-être un moment compliqué, après peut-être des tensions, on voit qu'il y a un présent, du moins il y a cadeau, il y a une surprise qui se présente à vous et qui va vous permettre de continuer votre route, votre chemin, avec beaucoup plus de lucidité et beaucoup plus de clarté également sur les personnes qui pourraient éventuellement vous entourer. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chères et tendres vierges. Prenez surtout soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.